Salam alaikum les gens. Wallah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder la story de Bassem Breki au sujet du drame de la jeune enfant morte à Valoris. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage, surtout que j'étais à côté de Valoris avant. Wallah, j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude de dire ça, tu vois, parce que j'ai pas l'habitude de faire la culture de victimisation. Mais là, le chauffard qui a tué la petite, s'il avait été arabe, wallah, il aurait glissé à la rate. Wallah, il l'aurait mis à la rate. Si le motard était du même pédigré que le Louis, là, parce que Louis, c'est la première fois, pas connu des services, blablabla. Bla, bla. Si ça avait été un arabe dans le même cadre que Louis, pas connu des services de police, wallah, ils l'auront mis à la rate. Wallah, ils l'auront mis à la rate. Mais moi j'ai envie de poser une question. Au niveau de la justice, vous savez que vous jugez des humains? Vous savez qu'il y a la justice humaine aussi? Mettez-vous à la place des parents psychologiquement, ils ont perdu leur fille, ils voient l'assassin, entre guillemets, de leur fille, dehors. Oui, parce que pour les parents, on leur a toujours tué leur fille. Oui, mais c'est un accident de la route, oui, mais... Et moi, le pire, ce qui me rend fou, moi, je vais dire ce qui me rend fou, c'est qu'hier, j'ai un peu regardé à droite et à gauche. Toutes ces femmes, ces psychologues en plastique qui viennent sur les plateaux TV et qui te disent que les jeunes s'ennuient parce que c'est lui, hein. Le jeu de mots en plus. Les jeunes s'ennuient parce que c'est lui. Si ça avait été Abdelhafid, on n'aurait jamais eu de psychologue sur les plateaux TV. On aurait eu des gens qui parlent de terrorisme. Oui, il a levé sa moto parce qu'un jour je l'ai vu à la mosquée. Ah, nanana. Elle te dit, cette psychologue, les jeunes s'ennuient. Les jeunes s'ennuient. Les jeunes veulent se... vous trouvez des excuses à l'inexcusable? Ben, si les jeunes, ils s'ennuient, au lieu de débattre sur leur moto, ben, mettez-les à l'armée. Cassez-leur leur cul à l'armée, vous les mettez à l'armée 2 ans. C'est tout. Les jeunes, ils s'ennuient, ben, c'est normal, vous avez retiré l'armée. Faut les mettre à l'armée. Mais bon. Oh non, c'est des petits, oh non, oh non. Je suis dégoûté, écœuré. En fait, t'es écœuré de voir ça. Et surtout, tu penses aux parents. Tu penses aux parents parce que quand tu parles à tous les gens du web, ils sont pas parents, ils peuvent pas comprendre. Ceux qui sont parents, ils peuvent que comprendre. Libérer. Tu sais, rien que tu vois ça dans les journaux, rien que tu lis ça, mais encore vous le libérez, pourquoi vous le dites aux gens? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est terrible. Et puis, bien sûr, les gens, vous allez voir, hein, ils vont trouver des excuses à droite et à gauche, ils vont lui trouver des circonstances atténuantes. Donc moi, je me répète, prends le même cas que Louis, le même casier judiciaire, la même chose, transforme-le en Abdelhafid, haq, Rabbi, le réglisse à la rate. Donc voilà, c'était la story de Bassem Breki. Avant de parler de ça, parce que je connais très bien, j'habitais à côté de Valoris, je connais très bien Valoris, en allant sur des réseaux de zapping, de faits divers. Tout ça, je suis tombé sur la vidéo du gendarme tué à Mandelieu. Voilà, j'étais encore plus choqué parce que le gars, il allait vite et il a accéléré, quoi. Pour moi, c'est vraiment un crime, une tentative de meurtre soldée par un meurtre, quoi. Pour moi, il y a... J'étais encore plus choqué que ce que j'ai entendu à la télé, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes, mais il y a un jeune qui s'était fait tuer par des gars en T-Max à Grasse, cité de la Blaquière. Il y avait quoi aussi? Il y a la famille qui a été brûlée vif à la cité des Moulins à Nice. Il y avait les guerres et les tirs de Kalachnikov. Comment ça s'appelle? Bon voyage à Nice vers l'Ariane et à Roquebilière, voilà, pour des contrôles de territoire, tout ça.
Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et j'en oublie. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à Nice, là, depuis quelques mois, là. C'est vraiment. Sans compter d'autres histoires. Un jeune de Valoris qui s'était fait planter. Je connais un gars aussi qui s'est embrouillé. Il a maintenant une balafre à vie. À moins que la chirurgie puisse essayer de l'effacer ou quoi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Enfin. Et en revenant à. Je vois très bien, je connais très très bien cette l'avenue où la petite est morte. Je l'empruntais souvent et je l'empruntais souvent jusqu'à récemment quand j'étais là-bas. Voilà, en bas de cette avenue, il y a le McDo, le Fonas, on appelle. À côté de. Il y avait le supermarché au milieu et quand tu arrives en haut, voilà, tu arrives à un pâté de maison de la cité de la Zaïne, une des cités qui a été toujours les plus réputées des Alpes-Maritimes. C'est loin d'être la plus grosse cité, mais c'est, on va dire, c'est de là d'où vient la loi Sauvageant, voilà, dans les années 90, parce que c'est les premiers à avoir importé le vol à l'italienne. Voilà, le vol à l'italienne, c'est pour ça qu'il y a eu la loi Sauvageant après. Vol en réunion, c'est pour ça qu'après vol en réunion, si tu voles à deux, c'est 2 ans de prison minimum. Alors tout seul, bah, tu peux prendre 6 mois, 1 an, quoi. Mais depuis le vol en réunion organisé, le vol organisé, depuis, c'est aussi un quartier qui a été réputé aussi très très dur. Voilà, parce qu'il n'y a qu'une entrée, qu'une sortie. Si tu bloques une entrée, ça se transforme en impasse. Si tu bloques une entrée avec des carcasses. Donc, c'est une route qui monte. C'est une route qui monte. Je vois très bien là où il y a les arcades. Quand j'ai vu ça à la télé, c'est comme si, presque si tu. Voilà. C'était à côté de chez moi, quoi. J'y allais souvent. Je connais des gens. C'est vraiment. Après qu'il ait été libéré. C'est parce que le juge estime qu'il va se rendre au procès. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être condamné. Mais il estime, voilà, s'il y avait un risque que cette personne s'enfuit, se cache ou va à l'étranger, il aurait mis en détention provisoire. Après, moi je suis pas d'accord quoi avec cette décision non plus. Je suis pas du tout d'accord. Ou voilà, ou s'il ne récidive pas, s'il n'y a pas de risque de récidive, je suis pas d'accord parce que normalement c'est une avenue où il est interdit de dépasser. Comme t'as les petits traits qui sont très peu espacés. C'est interdit de dépasser sauf véhicule très lent. Or là, c'était un véhicule. En fait, il a dépassé un véhicule qui s'est arrêté pour laisser passer les piétons. Donc normalement, si tu laisses passer les piétons, peut-être qu'il a cru qu'il était à l'arrêt, mais même c'est pas, peut-être qu'il a cru qu'il était à l'arrêt, c'est ça, la seule excuse qui peut le, peut-être qu'il a cru qu'il est à l'arrêt, mais normalement, voilà, t'as une voiture devant, tu la prends même au code de la route, même quand il y a un bus arrêté, tu vois, tu roules plus doucement, c'est jamais qu'il y a quelqu'un qui sort, tu vois, de l'autre côté du bus là. Tu vois ce que je veux dire quand tu doubles le bus à l'arrêt. Il faut toujours ralentir quand tu arrives à l'avant du bus. On ne sait jamais qu'il y a une personne qui traverse. Et forcément, tu ne peux pas trop la voir, quoi. Donc, voilà. Après, voilà, s'il faut, c'est un cross homologué, s'il faut pour rouler, et qui devait être assuré. Si c'était un cross non homologué, c'est interdit sur la route. Une raison de plus pour le mettre en détention provisoire. S'il n'avait pas d'assurance. Mais bon, pour moi, il y a vraiment une grosse faute, quoi. Il y a une voiture de. Même s'il pensait qu'elle était arrêtée devant un passage piéton, faut ralentir. Et ce que je voulais dire sur la configuration de cette route, en fait, c'est une des routes les plus fréquentées de Valoris, en fait. Pourquoi? Parce que ceux de Golfe-Juan, par exemple, ou des alentours,
Ben c'est l'avenue qui permet d'aller à l'autoroute la plus proche, à l'autoroute d'Antibes. Voilà, tu passes par cette avenue, tu longes la Zaïne et tu arrives à la zone industrielle de Vallauris, les Trois Moulins, un truc comme ça. Et après, là, tu arrives sur les voies rapides, l'autoroute, quoi. Donc c'est la voie qui permet d'aller. Voilà, c'est une des voies les plus fréquentées. Tu peux prendre au McDonald's à gauche, mais après, il faut que tu tournes à droite à la place là, du collège Pablo Picasso. Ça te fait un détour si tu passes à gauche. Donc forcément, plus tous ceux qui habitent à la Zaïne, tout ça. Même moi, des fois, quand je suis à Cannes, des fois, je coupe par là. Si je sais qu'il y a trop de circulation sur le bord de mer ou des trucs comme ça, des fois, je coupe par là. Je passais régulièrement, je re-repassais régulièrement. Pour moi, c'est une des routes les plus fréquentées. C'est un axe important routier, quoi. Et il est assez étroit, c'est vrai, avec les stationnements de part et d'autre. Je sais pas, je sais pas. Voilà. En tout cas, voilà. En tout cas, le cross non homologué, ça n'a rien à faire sur les routes. C'est pour la campagne et pas saccager bien sûr l'agriculture des gens. Certains agriculteurs ne sont pas des tendres non plus. Et voilà, même le cross homologué, quoi. Tu fais pas des lèves comme ça en ville, quoi. À la limite, sur un parking, s'il n'y a personne. Sur un parking désert, sur une... Voilà, j'en parlais quand je voyais des crosses levées, tout ça, dans des résidences privées à Marrakech. Je disais, en plus, dans ces résidences privées, et comme c'est privé et tout, ben, ils laissent les enfants des fois jouer en bas, ben... J'en avais parlé, j'avais dit ces jeunes qui faisaient le rodéo dans des résidences privées à Marrakech pouvaient tuer un enfant. Voilà. Sauf que, voilà, tout simplement, c'est une chose triste, ben, une chose très triste. Allah yarhamak, que son âme repose en paix à cet enfant. Voilà. Voilà, sa famille, par contre, il va avoir du chagrin longtemps. Faut faire gaffe à ça. Il y a des gens qui sont morts de chagrin, comme le père de Lola, par exemple. Lola qui s'est fait assassiner. La mère de Rania aussi serait morte de chagrin. Une jeune qui avait une maladie très rare. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06bis. Tchuss et à plus.